Coé, 17h-20h sur Énergie. Hey, salut, moi c'est Coé. Moi c'est Miko. Moi c'est Stouf. Voilà, et bientôt c'est l'été. Ce qui veut dire l'été veut dire qu'il va falloir qu'on... Hein, Ah, vas-y. Et qu'est-ce qui marche? Il y a quoi en ce moment quand on met la télévision à n'importe quel moment? Des pubs, mais oui. Ah ouais, il y a que des pubs. Mais oui, genre 5 petits déjeuners, 4 petits repas, 3 machins. Oh là là, vous avez maigri. Oui, grâce à machin, j'ai perdu 27 kilos en 2 jours. Incroyable. Incroyable. Mais comment fait-elle? Évidemment, tout ça, tu ne le payes pas. C'est toujours à base de... C'est gratuit. Et puis si t'es pas content, si t'es remboursé. C'est le même prix si t'es pas content. Mais la question qu'on se pose, à quoi ça ressemble? Et surtout... Le goût. Est-ce que c'est bon? Donc, en gros, on a décidé de commander. On a demandé rien à aucune marque. Personne n'a sponsorisé quoi que ce soit. On les a toutes faites venir ici au bureau et on va les essayer au hasard. Mais on va dire la vérité. Dire... Celui qui sera notre guide dans cette opération, c'est notre monsieur diététique à nous. Monsieur diététique? Oui, c'est notre monsieur du débat, c'est-à-dire que... Ça va? Ça va, attention, on va commencer. C'est parti. On sera peut-être plus là à la fin de cette séquence. On commence par ça. Oui, ça c'est les légumes. C'est un légume en suppositoire. Ouais. Attention, faut... Avant de faire régime, on nettoie d'abord le corps. Pour un corps tout propre. J'ai pris une douche. Attends, ça nettoie l'intérieur. Mais là, tu vas nettoyer. T'as déjà nettoyé l'intérieur de ton corps dans la caméra. Mais vous arrivez à l'ouvrir? Non. Alors. Ça y est, j'ai ouvert. Regarde, j'ai ouvert. Vous versez dans l'eau. Et on met dedans. Non mais sans. C'est très long. Fais pas ça, s'il te plaît. Tu mets dans l'eau. Ah, j'ai eu un dire retour. Alors, je mets dans l'eau. Tu mets tout dans l'eau. Ah, mais rien qu'à le sentir. C'est un choc. Ça fait le matin. Mais non, ça se met pas dans l'eau, ça se boit comme non, ça. Ceux-là, ils se mettent dans l'eau, ceux-là. L'un ou l'autre, mais c'est mieux dans l'eau. Ah, bah moi, je vais le boire en chaud. Oh. 1, 2, 3, go. Je crois qu'il faut vraiment le diluer. Quoi. Ouais, je crois que toi, tu l'as pris trop fuertasse. Et même en diluant, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon. Mais je croyais que manger, c'était un plaisir. Ouais, bah là... Non, là, c'est pas pour manger, là, c'est pour se nettoyer avant de manger. Ah, bah c'est vrai. On se nettoie quoi? Non, c'est dégueulasse. Non, c'est pas très très bon. Hein. C'est sucré. Il y en a derrière vous, non? Est-ce que vous voulez une petite entrée? Oui. Est-ce que vous voulez un truc d'été, genre tomate provençale? Ah, c'est bien ça. C'est bien, ouais, ça me parle. Tout le monde aime les tomates. Tomate provençale. Avec de la mozzarella, non? Voilà, exactement. Non, c'est régime. Ah. Voilà votre tomate provençale. C'est quoi cette... Qu'est-ce que c'est que ça? Bim, j'ai envie de pêcher avec le... C'est le retour de mamie. Alors ça, pour tout vous dire, c'est un plat, c'est une tomate provençale, c'est un plat qui fait entrée plat dessert. Ils ont même mis le café dedans. Moi, je peux pas boire ça, par... Ah bah tu fais un effort, bien sûr, c'est le but, il y a pas de moi, je peux pas, on n'a pas des mains. Sens-le, Stouf, sens-le. Non, j'y vais en me bouchant le nez. Sens-le. Non, je l'ai senti loin. Mais non. Vous exagérez, vous êtes sérieux. Moi, j'aime pas le potage, donc c'est un problème. C'est quoi les petits trucs verts dedans? C'est de l'origan. À quoi ça sert? Bah, pour faire provençal. C'est juste pas un potage à la tomate. Mais non, mais on dirait que tu bouffes de l'herbe. Ça n'a rien de mauvais, mais non. Ça n'a rien de bon. Et c'est 100% français. Y'a rien de rien. Non, c'est pas bon. Non, Coco, bah bois. Eh, les amis, non, sérieusement, mettez-moi une poubelle à côté parce que je peux lâcher à tout moment. Mais je déconne pas. Hein. On met une note entre 0 et 20. On y va, Stouf. Oh bah, 0. Moi, je mets 2 parce que je joue un peu méchant. Miko. Moins 5. Mais c'est quoi? Ce sont des pâtes. On dirait une pieuvre. Ça, c'est des pâtes, t'es sûr que c'est pas ton fils qui a éternué, non? Oh non, non, mais Nico, sérieux, c'est quelle marque? Nous avons du Gellerhauser. Les gens appellent ça Gellerhauser. C'est normal que ce soit froid. C'est froid, c'est caoutchouteux et ça n'a zéro goût. On dirait des boules de méduse. Mais c'est mangeable par rapport à... Arrête. Mais ça n'a aucun goût. Ça, tu peux manger par contre. Ah, moi, ouais, par rapport au... Alors ça, aucun intérêt. Mais alors c'est de l'eau, mec, c'est de l'eau avec du caoutchouc. C'est très bizarre. Ouais, hein. Ça coupe la fin. Note sur 20, Miko. Ouais, 11. 3. 3? Ah, 3, ça n'a aucun intérêt. Moi, je vais être gentil, 8. Je vais manger l'emballage. Là, maintenant, on a des plats. On doit manger celui qui est mis sur le truc. D'abord, sans savoir ce que c'est, est-ce que vous êtes prêt à échanger avec votre voisin? Vous aimez bien celui de Stouf, moi. Allez-y. Sans savoir ce qu'il... Attends, moi, je vais regarder. Dis-moi si j'ai gagné ou change. Non. On y va, on découvre. Allez. 3, 2, 1. Miko, tu as... Petit légume, sauce provençale et riz. Moi, j'ai parmentier aux deux saumons. Ça, tu peux donc maigrir en mangeant des lasagnes bolognaises. Bah, pourquoi la photo, pas. Elle est fat quand même. Moi, je grossis rien qu'en regardant la photo.
pour madame. Lasagne bolognaise. Parmentier haut de saumon. Mais il est où le fromage? Il est où, le fromage qui est au-dessus là? En fait, l'avantage, c'est que c'est servi déjà digéré. En fait. Et deux salles, deux ambiances, moi. Ah, le riz, ça ressemble à la ça photo. Ça ressemble, hein. On attaque. Bon, bah, bon app. Hein. Aucun goût, le son. C'est tout, ça kiffe. Bah, attends, non, mais... C'est bon, toi? C'est sympa. On va voir. Vas-y. T'as pas le goût de la vraie lasagne, quoi, mais bon. Non, c'est moins mauvais. Non, ça va, ça. Ah ouais? Non, ça va. Nico? Ça manque de sel. Parce que c'est fait pour les gens qui veulent maigrir, donc le sel, c'est pas bon. Franchement, ça, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais moi, pour être allé à l'hôpital, je peux dire que je mangeais mieux. Si, mec, tu me dis que ça, ça sent le saumon. Tu veux goûter mes lasagnes, Nico? Non, elles sont pas mauvaises, celles-là. Je vais rentrer chez moi, en fait. On y va, les bon, notes. Allez, 10, voilà. 10 sur 20. 10 sur 20 Ouais, ouais, 10 Nico. Sur 20. Nico 13. Ah oui. Ouais, ah, quand même. Ça se mange, franchement, ça se mange. Bah, alors le tien, il est dégueulasse, on dirait de la pâtée pour chien. Deux. Mais non. Alors, personnellement, j'ai plus faim. Non, mais là, c'est bon. C'est bon et je pense que j'ai... Alors. J'ai maigri, ça y est. Attention, nous avons de nouveaux plats. Oh non, non. 3, 2, 1. Des lentilles, poulet et petits légumes. Alors moi, ça j'aime bien. Alors ça j'aime bien. Bœuf à la provençale, légumes d'été. Parfait, c'est parfait, je garde. Blanquette de poulet. Mais excusez-moi, c'est du régime ou quoi? Blanquette de poulet. J'avoue que c'est pas très léger là. Attention aux tâches. Ah oui, oui, oui. Oh, c'est pas dégueu. Eh, sans déconner. Oh, toi c'est sympa. Ça a pas cette tête là. Mais si, c'est de la sauce avec des. Mais ma grand-mère, elle le fait pas comme ça là. Mais ta grand-mère, elle s'appelle. Weight Watchers, ta grand-mère. Elle s'appelle Janine. Elle s'appelle Janine. Janine Watchers, c'est de la famille. Alors ça, les amis, franchement... C'est bon, vous? Non. Moi, c'est pas bon. Moi, c'est bon, hein. Je peux goûter? Gaylord Dozer, sans déconner, alors là... J'ai fini. Toi, t'en as plus. Miko, il a mangé son morceau de bœuf. Ça y est. Ah oui, tu vois. Je vais goûter. Hey, franchement, je vais pas faire, de la pub, mais c'est super, Gaylord Dozer. Tu vas pas kiffer. Un peu de ça. La sauce, elle est gélatineuse. Elle est bizarre, la sauce. Alors, moi, si j'ai un petit message à faire à nos amis de... Weight Watchers, le bœuf à la provençale et légumes d'été, c'est bien, mais mettez du bœuf quand même. Donc tu goûtes. C'est dégueulasse. C'est très bon. Tu m'en prends pas tout ça. Un peu de riz. Voilà, le riz n'est pas un problème, c'est plutôt ça. C'est plutôt ça qui est moins bon. La sauce. Non, 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 on a plus de poubelle. On a plus de poubelle. On dirait de la merde. T'as vu la sauce? Ah, c'est de la blanquette, c'est de la blanquette pourtant. Quelle note sur 20? 12. Il n'y a pas de bœuf. 16. Ah ouais, quand même. Attends, je peux goûter? Bah, 2. C'est vrai que ça, c'est pas bon. 2 juste pour le... Prends un bout de poulet, prends un peu de truc. Ça, c'est pas mal, ça. Tu sens bien là, les petites tomates et tout. Pourquoi les lentilles, elles ont un goût de sauna? De quoi? De sauna. Parce que le sauna, ça... Un sauna? Oui. Le sauna où tu te mets... Le hammam. Ça n'a pas de goût d'hammam. Non, ça me donne ma tête. Alors, pour Nico, ça a un goût d'hammam. Mais faut, si vous êtes amateur de hammam... Et carottes, potiron. Putain, j'aime pas le potiron. Ah, si, c'est bon le potiron. Non, t'as mangé quoi? Couscous. Ah, bah non. T'as quoi, toi? Mais ben, c'est de poulet, légumes, j'en peux plus des légumes. Là. Ah, tiens, couscous. Hey. Tiens, t'aimes bien ça, le potiron? Voilà, allez, ouais, c'est réglé. Une petite purée. Oh là là, t'as du beurre? Bah, non, je pensais que c'était du régime. Ah, ouais, mais bon. Oh, il y a une petite odeur de légumes là. Attends, j'essaie de le faire proprement. Voilà. Ah, si, il y a plus de morceaux. Merci, Jeff. L'enfant. Regarde. Regarde, ça colle à la fourchette. C'est... Plaf. Bah, je suis désolé. Il déchire, Guillaume. Mais c'est pas possible. Bon. Goûte. Prends un bout de truc, va en pelleteuse. Goûte le business. Mmh. Hein? Mmh. Allez. Ah non, mais c'est clair, Guillaume, ils sont trop forts. Allez. Ça a du goût. C'est pas du couscous, quoi. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas du couscous. C'est du pousse-pousse. C'est quoi déjà, Guélan, toi? Cherche pas, écoute. T'aurais dû le garder, Miko. Non, non, il est bon, il a du goût. Pas mauvais. Pas mauvais. Arrête. Mais il n'y a pas de goût. Il a un goût de coffre de voiture. Hein. Rouillé. J'aime pas le potiron. Ah, c'est du potiron. On met même pas en rêve. Je préfère du grand car. Ah, on dirait un truc de bébé. Après, je pense que si tu mets une petite crème fraîche, un truc comme ça, j'ai le goût du potiron. Mais si tu mets de la crème fraîche, c'est plus un truc de régime. Oui, mais avec du sel.
passe. Note sur 20. 8. 14. Oh, 14 bon, allez, 9. T'es gentil, hein, parce que oui, c'est pas bon. Hein. Faites entrer le fromage, le fromage, le fromage, le fromage. Ah, oula. Ah, bah, c'est l'argent. Camembert. Bon camembert. Attends. Aïe fines herbes, de l'emmental. On dirait du beurre. Chacun un morceau de pain, c'est du pain muesli. Pas muesli, il est muesli. Muesli, il est tout muesli. Il est tout muesli. Ouais, il est pas mauvais. Ça, c'est ce que vous êtes en train de manger. Non, le camembert, c'est du Brie Delight. Brie Delight 5%. Mmh. Et attends, ça, c'est censé être quoi? Du l'emmental. De l'emmental. Ça, beurre. C'est de l'emmental, ça. Ça te donne très, très, très envie de manger. Là, je peux te dire que. Non, mais ça, c'est même pas du fromage. Il n'y a pas de lait là-dedans. Non, mais c'est très bizarre. Non mais c'est du plastique les gars, c'est faire honte au fromage. Ouais c'est très caoutchouteux. Hein. Ça c'est quoi, du camembert? Camembert. Attends, moi je vais prendre du bleu. Il est un petit peu moins goûtu que le classique. Il est pas mauvais. Mais franchement ça se... Tu me le mettrais sur un plateau au fromage, je fais pas la différence. Bon ça s'appelle pas camembert, hein. C'est une forme de camembert. Ça c'est bon ça, le carré frais. 0% aïe fines herbes. Et franchement... Je... Oh le pain il est moisi, il a raison. Il est complètement moisi. Ah t'as aimé le carré frais? Oui, le carré frais j'aime bien. Hein. C'est pas... Non. T'aimes pas? Ah, non. Ah bah t'as tort, je trouve ça bon moi. Allez! Non, non. On attaque le dessert! Dessert. T'as le choix entre deux chocolats. Un bol c'est un repas, hein. C'est pas censé être des desserts. Tu préfères chocolat ou vanille caramel? Chocolat. Chocolat. Bon bah je vais prendre vanille caramel. Hmm? Alors. Ouais c'est pas mauvais. Non ça va. Ah, franchement ça va. Ah j'aime pas la texture. Caramel. C'est pas dégueu. Non, je suis pas fan de vanille caramel. Je préfère le chocolat. Ça, c'est un goût d'auto-bronzant. Je te promets, je te jure. Par rapport au sauna, on est en dessous, c'est plus, il est plus fort que le goût de Hamamou. C'est mieux, c'est mieux. Je préfère l'auto-bronzant. Non, c'est l'enfer. Oh non, t'es dur. Non, franchement, oh non, c'est l'enfer. Goûte celui-là. Non, franchement, non. Goûte celui-là, au jojoba. Alors, t'as pas l'impression d'être en vacances? Eh bah, tu sais quoi, il est meilleur que le chocolat. J'aime bien celui-là aussi, hein. Pourtant, j'aime pas vanille caramel, mais... Moi, j'ai bien aimé le choco. Mm. Nous allons être les seules personnes de France à avoir fait des tests de produits minceurs et avoir pris du poids. Alors, sur 20. Un bon petit 16. 16 aussi, je suis d'accord. Oui, bon, bah 10. Oh, elle est sévère. Elle s'écrit Marquez. Ah ouais, bravo, un très bon 2. C'est génial, 0. On termine juste avec le goûter. Non, mais tu te fous de ma gueule. Ça arrête jamais. Non, mais non, j'ai l'impression d'être dans un loup de finesse, la tricatelle. La suite. Vraiment plus fin, là. Un petit chocolat. Ah, il y a une pâte à tartiner. Il y a de la pâte à tartiner. Ça, c'est quoi? Quand il y a un gros fruit dessus, après toi, qu'est-ce que ça peut être? Une boîte de choucroute. Alors? Attends, je vais goûter ça. Il a un goût, tu sais, de boîte à gants. Attends, ça, je m'y connais en pâte à tartiner. Sans huile de palme, hein. Verdict. Ah, si, ça va, ça. Ça ressemble. Oh, il est pas mauvais. Non, il est bon. Goûte. Et sans autant une le chocolat Carrelia, là, faut arrêter ça. Mais ça, vous pouvez continuer. Ah, carrément. Tiens, le spéculoos, c'est pour Miko. Ça sent la bougie qu'on te met l'hiver. On est d'accord. Voilà, ça passe. Non, non, ça passe pas. C'est pour moi, ça passe. Oh, t'es un peu dur. T'es très dur, t'es très dur. Ah, franchement, c'est pas mauvais. T'es super dur. Ouais. T'as vu, elle y retourne. Ah, je vais non. Non, non, je ne valide pas. Je vais ramener la boîte chez moi pour vérifier. Mais je ne valide pas. Pour l'instant. J'ai mis une mauvaise note, hein. Et ça, c'est bon. Ça, ça va, oui. Bah, c'est comme du candy up, un peu. Ah, mais c'est au soja. Le soja, ça n'a pas de goût. Bon, à part ça, j'enlève ce que je dis, parce que généralement, le soja au chocolat, j'aime pas, mais là, c'est pas mauvais. Jus de carotte. Mais jamais. Moi, je prends le jus de carotte, alors. Vous prenez le pruneau? Allez, allez. Hein? Eh. C'est le début. Alors, vu la tête de coco, même pas je goûte, même pas en rêve. Alors, vu la tête de souffle, même pas je goûte le carotina. Tu peux pas ne pas goûter non, avec ton coco, pas, non, tu non, goûtes non, 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 je préfère tiens. Goûter le carotin. Non, c'est pire, c'est pire. Le pruneau, c'est plus. Ah non. Ah, c'est acide. Fais-moi le pruneau. Le pruneau, c'est pas acide, c'est sucré. Ça passe mieux. Je t'en supplie, goûte la carotina. C'est quoi acide. Ça, mais on peut tuer des gens avec ça. Non, je te sers un verre. Merci, au revoir. Ça vient de Fukushima, c'est pas possible. Bon, allez, on va y aller rapidement. Le chocolat comme ça, non. Non, zéro. Non. Ça, oui. Oui, c'est bien. Ça, oui. Très bien. Ça, non. Non. Ouais, lui, t'as dit oui. Oui, ça passe. Ça, non. Pas, non, pas du tout, du tout. Alors ça, non. Ça, oui. Oui. Ça, oui. Bah, t'es la seule à avoir goûté. Mais visiblement, vu ce que t'as bouffé dedans, il en reste plus. Oui. Globalement, tous les trucs, bien. Ouais, et sur les bien. Plats cuisinés, bon, par contre. Le problème, c'est que j'ai un mélange dans mon estomac de tout ce qu'on a mangé. Ouais. Ça, je suis pas bien. C'est compliqué. Voilà, on a testé pour vous tout ce qui était bien pour cet été.
ce qui était moins bien. Si vous avez essayé des trucs, mettez des commentaires. Si ça a déjà marché, si vous avez perdu du poids, je parle. Mettez vos commentaires. Non, on t'a entendu, je tourne, le McDo, on l'a entendu. Si vous avez aimé, dites-le. Vous n'avez pas aimé, dites-le. Abonnez-vous à la chaîne. Revenez nous voir. J'ai envie de faire un petit rototo, mais j'attends vite que ce soit fini parce que je te jure que je sais pas si ça va être un rototo à quoi. C'est ça le pire. Baby boss. Allez, bisous. À bientôt. Joyeux plaisir. McDo. 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 Hey, t'as kiffé la vidéo? Tant mieux, ça me fait très plaisir. Alors là, il y en a d'autres à regarder, c'est simple, hein, t'as le programme. Et si jamais tu veux t'abonner à ma chaîne, d'abord abonne-toi parce qu'il y a plein de trucs bien. Tu cliques sur le bouton et à côté, t'as une petite cloche. N'oublie pas la cloche, comme ça tu ne rateras rien.